Simon Eloge Soukami, chercheur kimbanguiste, véritologue et phytorévélogue, c'est comme ça qu'il se définit. Il est accompagné de M. Pierre Anzuana Ngaluo, son conseiller en vériteologie et en véritologie et en phytorévélogie. Bonjour à vous. Bonjour, M. Jonathan. Vous allez bien ? Merci, bien. Alors, avec vous, nous parlons de la restauration du royaume Congo par le grand roi divin, qu'on appelle aussi le Nkwatulendo. Et dans votre façon de voir les choses, ce grand roi divin, ce Nkwatulendo, c'est justement Simon Kimbangu. C'est bien cela. Simon Kimbangu. En fait, d'abord, Simon Kimbangu. Oui, Est-ce que c'est Simon Kimbangu ou Simon Kimbangu qui a gagné? Non, pour l'accomplissement de la prophétie, c'est Simon Kimbangu qui a gagné. Ah, donc c'est deux personnes différentes? Non, c'est une seule personne, mais il faut préciser les choses. Parce que quand on dit Kimbangu, bien sûr, c'est la même personne, mais là, nous repartons des années 1921. Mais la troisième étape, donc il avait évoqué la problème de Sanda, là maintenant, il faut présenter. C'est plus la même personne? Non, c'est la même personne, il faut présenter papa Simon Kimbangu qui a gagné, qui est toujours Kimbangu, pour en fait la prophétie, signifier l'accomplissement de la prophétie. Parce que si nous limitons juste à Simon Kimbangu, c'est comme si le personnage, bien la personnalité de Papa Simon Kimbangu Kyangani sera quand même un peu voilé. Donc il faut présenter Papa Simon Kimbangu Kyangani pour confirmer en fait l'accomplissement de la prophétie. Alors vous dites que la restauration du royaume Congo, c'est dans le plan de Dieu. Et qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous appelez par royaume Congo aujourd'hui? Parce que le royaume Congo, on sait qu'il a vécu, il a existé. Aujourd'hui, on a quelques vestiges ici et là en Angola, mais lorsqu'on parlait de restauration du royaume Congo, faites allusion à quoi? Merci pour la parole. Premièrement, avant de commencer, je salue d'abord ta divinité, Papa Simon Kimbangu Kyangani, qui est Dieu le Saint-Esprit, le chef spirituel de l'église kimbanguiste et le Nkwatulendo, le grand roi divin. Oui, merci pour venir à votre question. Les signes qui montrent le royaume Congo, bien son existence aujourd'hui, pour parler de la restauration, c'est d'abord ce peuple du royaume Congo qui est dans ces trois pays. Parce que le royaume Congo, bien sûr, étant disloqué ou bien qui a connu le déclin, ou bien effacé, qu'on passe seulement dans l'histoire, mais le peuple existe bel et bien de ce royaume. Donc ce peuple qui représente ce royaume dans les trois Congos, le Congo Brazzaville, le Congo Angola, le Congo RDC, qui est le grand Congo, le royaume du Congo d'Antotila, et c'est ce royaume-là, en fait, Papa Simon Kimbangu est venu restaurer. Et en le restaurant, il est en train de mettre les bases, bien, les mécanismes de ce royaume. Puisque Kimbangu, qui est lui qui est revenu pour la troisième fois, par la pauvre de Mbanda-Sanda, lorsqu'il avait dit qu'il va revenir avec ses trois pouvoirs pour qu'il règne, il est en train de restaurer, en fait, ce royaume. Et la restauration, ce sont les signes, en fait, qu'il est en train de montrer. D'abord, ce peuple que je signifiais, et en plus, la rencontre avec les chefs d'État, par son pouvoir politique, tel qu'il a dit, et le pouvoir spirituel, scientifique et le pouvoir politique. Et nous avons sélectionné aussi quelques images, si avec votre autorisation, pour que nous puissions les signifier, les montrer. Au même moment qu'on parle, vous pouvez montrer les images. Ah, d'accord, on va Pierre, les photos. Donc, les signes tombent ici maintenant, pour le montrer, ce signifier que c'est lui. Là, nous avons maintenant la rencontre avec les chefs d'État dans les trois Congos. Donc là, d'abord, il a commencé avec le président Joseph Kabila. Là, nous sommes en 2003. Il était venu en Kamba. Il a fait un séjour de trois jours auprès de Nkwatulendo. Et après, le président Joseph Kabila, il est reparti en Angola. Là, peut-être nous n'avons pas l'image, mais en Angola, il fut reçu par le président Eduardo dos Santos, qui l'a reçu. Et après, il y a eu encore le président Eduardo dos Santos, qui l'avait reçu en Angola, lors de son séjour, avec une invitation officielle. Et ensuite, c'est le président Etienne, Félix Etienne Tshisekedi. Moi, je peux voir les images ici, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord, le président Félix Etienne Tshisekedi, qui l'a reçu également, tout dernièrement, qui est venu en Kamba inaugurer d'abord le musée Simon Kimbangu, et dans son discours, il avait pris acte que la date du 6 avril soit célébrée comme chemin pays. Mais cette date ne doit pas seulement être célébrée dans la RDC, mais elle doit être célébrée dans les trois pays. Dans le Congo Brazzaville et le Congo Angola doivent également emboîter le pas dans... Lorsque je vois ça, je me pose la question, comment ça se passe? C'est-à-dire que le grand roi divin, il sera là avec ses amis présidents, ou comment ça va se passer? Comment? Je ne comprends pas. Oui. En fait, la manifestation de ce royaume qui sera restauré,
enfin, le système politique même va changer. Parce que c'est un règne royal. On parle bien du royaume. Ce n'est pas des. Bien sûr, il y a des républiques en république, mais à l'accomplissement. Donc les républiques vont disparaître. Oui, les territoires resteront. Le territoire resteront. Non, je parle des républiques vont disparaître. Non. Il va rester les républiques le et les territoires seront là, mais les gouvernants de l'époque, à l'accomplissement, seront les représentants. Donc qui va diriger ce royaume? Papa Simon Kimbangu Kiangani. Celui qu'on voit là. Ce que vous voyez là, okay. Avec pour capitale Mbanzankamba, le nouveau royaume restauré. Donc il viendra, il va dire au président de la RDC, bon écoutez, c'est maintenant moi le roi divin, il ira chez le président de l'Angola, non c'est moi le roi divin, il vient chez le président du Congo, c'est moi le roi divin, et on lui laisse la place, on lui donne le trône, les autres seront des représentants, c'est comme ça? Non, ça va se passer comme ça, ça c'est trop direct, non, il y a des mécanismes. Hein, en fait, c'est un grand roi divin, donc sa spiritualité, il y a des mécanismes qu'il va mettre en place, qui fera de telle sorte, en fait, ce système bascule, soit de ce côté-là, mais pas de façon peut-être pour dire que les autres n'existeront plus. Donc c'est par rapport au temps. Donc dès qu'il arrive, par son pouvoir spirituel, il mettra ces mécanismes-là. Et ces mécanismes-là, c'est là où maintenant les chefs d'État de ces trois Congo, ils vont reconnaître son autorité, parce que même en Kamba, il y a une résidence qui a été conçue pour recevoir ces trois chefs d'État qui monteront en Kamba pour venir honorer et hisser... Ça va arriver quand? Bon, dans peu de temps, puisqu'il est déjà là en train de travailler. Mais donc, depuis que vous êtes là, vous nous dites que c'est dans peu de temps. Dans peu non, le peu c'est de un peu comme on attend la mort de Jésus, le retour non, de Jésus. Pas le retour de Jésus, parce qu'il y a les signes qui se manifestent, mais les gens n'arrivent pas à lire. Jésus-Christ, dans la Bible, nous a dit, vous êtes, quand vous regardez le ciel, vous dites ce qui s'est passé, cela, mais les signes des temps qui passent devant vous, vous n'arrivez pas à les petite lire. Petite question quand même. Oui. Quand vous dites le peuple, les peuples du royaume Congo, est-ce que ce sont les peuples des trois pays ou une partie des peuples de trois pays? Non, pas une partie. Le nouveau peuple. Royaume restauré qui va être restauré par Simon Kimbangu tiendra compte de tous ces peuples. Même les peuples qui ne faisaient pas partie de l'ancien royaume Congo, désormais, dans le nouveau royaume restauré, feront partie de ce royaume-là. Donc, puisque c'est un règne royal, donc ça ne doit pas être en contrepartie, une partie seulement, non. Donc, le nouveau royaume qui va restaurer sera en fait dans l'ensemble. Donc, il va régner dans l'ensemble. Donc, tous ces peuples-là qui ne faisaient pas partie de l'ancien royaume feront désormais partie du nouveau royaume restauré. Et c'est ce que ça veut dire par son pouvoir spirituel. Et c'est là qu'il va déverser les inventions par le pouvoir scientifique au niveau scientifique et technologique, puisqu'il a parlé de ça à la peau de Mbanzankamba, que je reviendrai avec mes trois pouvoirs. Et la spiritualité même de ce royaume qui sera restauré, on ne parlera plus des choses comme les Nzobi, les Kwambali, les Kimpasi, toutes ces choses-là qu'on est en train de vanter aujourd'hui, n'existeront plus dans ce royaume. Vous allez provoquer les gens, les Nzobi, non, nous ne provoquons pas c'est les choses, il faut les dire ces vérités-là pour que les gens les comprennent. D'accord. Parce que le roi qui vient, c'est un roi divin. Il n'est pas un roi de la terre, descendu du ciel. Donc, Papa Kimbangu, revenu pour la troisième fois, donc c'est comme le règne de Jésus, lorsqu'il avait dit, ce peuple d'abord du royaume Congo, il faut le signifier, c'est très important, M. Diaz, c'est ce même peuple que le Jésus-Christ a dit dans la Bible, que le royaume de Dieu aux Juifs vous sera enlevé et sera donné à un autre peuple qui en produira des fruits. Donc vous c'est voyez, le peuple du Congo. Donc c'est le peuple, voilà, c'est le peuple du bassin du Congo, c'est ces trois Congo-là. Merci beaucoup. Et ce royaume, les limites telles que nous le connaissons aujourd'hui, qu'on limitait l'ancien royaume Congo par la Congo, Brazzaville, RDC, l'Angola, une partie de Gabon, mais les limites vont excéder puisque la capitale Mbanzankamba sera en fait le foyer où, qui assurera la gouvernance pour cet État et pour l'Afrique ainsi merci que beaucoup, le monde. Monsieur le véritologue Soukami et son assistant, monsieur monsieur Pierre Anzoana Ngaluo, et nous aurons l'occasion de vous retrouver ici dans Studio 210 pour nous donner plus de précisions, davantage de précisions sur la restauration de ce royaume. Mais beaucoup de gens n'en croient pas, vraiment, comme Maître Anaël, qui ne faisait que sourire pendant que vous parliez. On va le recevoir tout à l'heure. Vos contacts Mes contacts, je réponds au 06 652 27 68. Et mon numéro WhatsApp, c'est le 06 825 46 10. Merci beaucoup.